Hola, les saluts Orlando Poleo. Bonjour. Je suis très content parce que je pars à l'aéroport pour aller à la Martinique pour jouer au festival de jazz de là-bas le 1er décembre avec Orlando Poleo et Afro-Venezuela Jazz. Je suis très content de pouvoir vous présenter ce projet avec plein de tambours traditionnels du Venezuela et mélangés avec le jazz. Et voilà, je vous invite le 1er décembre à 18h30 au jardin de la CTM. OK? Et à partir de 18h30, je serai là-bas avec un public très enthousiaste, mais très exigeant parce que je connais bien la Martinique parce que c'est au moins la 10e fois que je vais vous visiter. OK? Orlando Poleo, Afro-Venezuela Jazz. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition du Martinique Jazz Festival. Alors cette année, pour la première fois, le Jazz Brunch se tiendra dans les jardins de la CTM avec un programme haut en couleur puisqu'on y retrouve des têtes d'affiche telles que GMX Quartet ou encore Orlando Poleo et Afro-Venezuela Jazz. Ce n'est pas seulement un événement populaire, c'est l'événement à ne pas manquer. Regardez. Le Jazz Brunch est cette volonté d'apporter un jazz de qualité à un nouveau public. En effet, les petits plats seront mis dans les grands, et c'est bien le cas de le dire, entre programmation riche et restauration locale mise en avant. Le Jazz Brunch, c'est à la fois permettre une convivialité donc autour du jazz, puisqu'il y a des lieux de restauration. Donc, on sait très bien que pouvoir écouter de la musique tout en buvant un jus de canne ou de l'eau de coco et puis en manger une petite brochette ou une galette de cassave, ça apporte en convivialité et ça donne une autre dimension, une toute autre dimension à l'événement. Et puis, c'est une manifestation gratuite. Donc là aussi, en termes d'accessibilité, je parlais tout à l'heure de l'accessibilité géographique, donc quand on va dans le territoire, mais il y a aussi l'accessibilité financière. Donc, offrir à la population 4 concerts gratuitement, c'est permettre un dimanche après-midi, c'est permettre à une population, à un public de venir nombreux, en famille, et d'intégrer dans leurs activités du dimanche, de ce dimanche-là, le jazz. Cette année, honneur aux dames avec Naysam Jamal, victoire du jazz en 2019, sera présente avec sa formation en quartet. La flûtiste syrienne présentera son nouveau répertoire intitulé « Un autre monde ». Cet autre monde, c'est un monde imaginaire où nous pourrions vivre sans guerre, sans haine, sans argent. Trois autres groupes seront à l'affiche, le Cubain Orlando Poleo, Jonathan Jorion, originaire de la Guadeloupe, et Guimard Vadlu. Le talentueux pianiste martiniquais revenait de sa tournée à Singapour quand nous l'avons rencontré en pleine préparation de son spectacle. Guimard, bonsoir. Merci de nous accueillir. Merci d'accepter que j'assiste à cette répétition. Tu nous présentes ton nouveau groupe. Tout à fait. Ce dimanche, qui est le GMX Quartet. Et ça sera l'occasion pour vous de découvrir mon tout nouveau projet qui s'appelle Siempre Musica. Et sur lequel, tout simplement, j'ai fait appel à des comparses et des virtuoses pour la plupart. Je vais vite, donc à la batterie, on aura Missy Garcia de Cuba, qui elle, est en train d'exploser mondialement. Elle nous fait l'honneur d'être là, c'est ma pote. Missy Garcia, et on a la contrebasse et à la basse Rafael Passero, qui est lui aussi un grand virtuose cubain. Et on a la chance d'avoir aussi Jacobo Vélez de Colombie. Lui, c'est pareil, c'est un routard, il sillonne le monde avec son orchestre de 12 musiciens. Donc c'est quand même quelqu'un d'assez balèze aussi, qui était avec moi aussi lors de la présentation de mon dernier projet à Singapour, où on est parti le mois dernier, au début du mois dernier, et on a fait 3 concerts à Singapour.
Donc il est sous les deux projets, en fait. Voilà. Je serai là dimanche, vous l'avez compris, un focus sur le jazz caribéen, celui de Cuba, celui de Colombie aussi. Uh-huh. Enfin voilà, vous avez une multitude de jazz, de formes de jazz à découvrir. Rendez-vous dimanche avec Guy-Marc Vallée. Vous savez tout sur le jazz brunch. Le rendez-vous est donné à midi au Jardin de la CTM à Plateau-Roi à Fort-de-France. Improvisateur et compositeur inspiré, c'est au piano que Thomas & Co souhaite nous présenter ses dernières compositions. Prix de la révélation de l'année des victoires de jazz en 2013, venez apprécier sa culture musicale qui oscille entre jazz et classique le jeudi 5 décembre à 20h dans la salle Aimé Césaire à l'Atrium. Comme vous pouvez le voir, vous avez tout plein de raisons de venir à l'Atrium cette semaine du Martinique Jazz Festival. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Thank you.